Bonjour, alors tout d'abord, j'aimerais souhaiter une très 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 bonne année à toutes les personnes que j'ai rencontrées, on va dire virtuellement, en 2019. J'aimerais souhaiter une bonne année donc à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'aimerais vous souhaiter une très bonne santé parce que je sais qu'il y a des gens qui sont malades qui me suivent. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont malades, mais des vrais malades, qui ont des vrais problèmes de santé. Et je sais qu'il y a aussi des malades, mais des malades de la tête. Mais quand je dis des malades de la tête, c'est bon, il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître. Donc, mais vraiment, bon, comment dire, je souhaite vraiment une très bonne année donc à tous les, comment dire, à tous mes abonnés. Et puis voilà, puis surtout une bonne santé parce que c'est la chose la plus importante. Et puis voilà, donc continuez si vous voulez à vous abonner à ma chaîne et à venir voir mes vidéos. Donc voilà, puis je souhaite aussi une très bonne année à Endemol, à toutes les équipes d'Endemol. Je souhaite une bonne année aussi à Jean-Luc Reichmann et à Z, à Paul et à tous les anciens et puis les nouveaux maîtres de midi qui arriveront donc en 2020, même à Eric, etc. etc. Voilà. Donc sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Alors tout d'abord, la petite carte de vœux. Donc voilà, parce qu'en France, vous avez un petit village qui s'appelle Le Vœux. Alors Eric, toujours aussi souriant, toujours maître de midi. Alors là, c'était super rigolo. Regardez, donc ça, c'était hier. Donc hier, donc on était le 31 décembre. Donc Eric avait sorti la veste et puis derrière lui, il y avait la dadame. Et bien regardez aujourd'hui, et ben c'était la même dadame habillée de la même façon. Ils auraient pu quand même la mettre autre part, mais bon, c'est pas grave. On sait très bien que ça a été tourné le même jour, mi-décembre. Donc voilà. Alors, au coup d'envoi, sa première question. Dans quel type de restaurant a-t-on toutes les chances de trouver du porc au caramel? Donc bien sûr un traiteur asiatique. Après, donc vous aviez Grégoire, vous aviez Jean-Pierre. Et vous aviez encore une Bretonne. Ah, ils sont partout, hein. C'était Tiffaine de Saint-Malo. Alors, pour Grégoire, sa question. À Saint-Cast-le-Guildo, en Bretagne, une femme a fait venir les gendarmes après avoir confondu une grenade et, eh bien, c'était une pomme de pin. Pour Jean-Pierre, sa question. À quel moyen de contraception masculine a été inventé par le français Roger Mieuxet? Eh bien, c'était le slip chauffant. Pour Tiffaine, sa question, en 1976, lorsque Jacques Chirac démissionna de son poste de Premier ministre, il déclara qu'il arrêtait la politique pour ouvrir une galerie d'art. Dans quel sport s'est illustré Sugar Ray Robinson? Donc bien sûr, c'était la boxe. Qu'obtient-on quand on met du sodium dans de l'eau? Eh bien, c'était du feu. Donc, bien sûr, cette question, Grégoire est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Tiffen en duel, qui est une question assez simple. Qui chantait La Isla Bonita en 1987? Donc, bien sûr, c'était Madonna. Ensuite, eh bien, Tiffen, Eric et Jean-Pierre se seront trouvés au coup par coup. D'abord, Jean-Pierre est passé à l'orange. Après, il nous a fait de la jongler avec des bouteilles, puisque bon, il doit bosser dans un bar. Après, ça a été Eric qui est passé à l'orange. Après, ça a été Tiffen. Et après, Retiffen qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jean-Pierre en duel. Voilà, qui a eu une question qui était assez facile aussi. Hein. Quelle ville est surnommée Sin City, autrement dit la ville du péché? Donc, bien sûr, c'était Las Vegas. Donc, eh bien, ensuite, eh bien, Jean-Pierre s'est retrouvé face à Eric en coup fatal. Et puis ça a commencé par une question qui était assez simple pour Eric. Hein, comment appelle-t-on les habitants de Madrid? Donc bien sûr les Madrilènes. Et puis bon, lui, tout de suite, il a eu une question qui n'était pas évidente, hein, qui est le beau-père du chanteur Philippe Catherine. Enfin, franchement, il fallait savoir que c'était, comment dire, Depardieu. Donc, j'espère, dans les résolutions, j'espère vraiment que les 12 coups de midi, parce que vraiment, c'est une très très belle émission. J'espère qu'il y aura plus, comment dire, de justice dans l'émission. Il y aura moins, je ne veux pas dire de triche, parce que bon, c'est pas de la triche, mais moins d'avantages, moins de trucs comme ça, quoi. Donc, je trouve que c'est une très belle émission. Jean-Luc Reichmann est vraiment un mec génial. Donc, je trouve qu'il mérite mieux que de mettre des questions un peu plus faciles pour les challengers, moins faciles pour les challengers que pour le maître de midi, qui surtout, comment dire, comme je le dis depuis plusieurs semaines,
est vraiment très intelligent et très cultivé, donc il n'a vraiment pas besoin d'avoir, voilà quoi, comme, regardez là, qui est la mère du mannequin et musicien Gabriel Ken Deleuze. Bon, bah, il fallait savoir que c'était Adjani, donc voilà, donc à la fin, bon, bah voilà, donc le pauvre Jean-Pierre a perdu, il a eu droit à un bisou, il a eu droit à un bisou d'Eric, donc voilà. Après, bah, par rapport au coup de maître, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont arrivées, bah voilà, les Bluebell Girls du Lido, donc voilà, c'est vrai que c'est très étonnant à voir. Puis si un jour vous vous retrouvez face à une danseuse, elles ont des jambes qui mesurent 1,50 m, donc c'est vraiment très étonnant. Donc c'était super rigolo. Ah, ensuite, alors, selon le calendrier catholique, que fait-on aujourd'hui le 1er janvier, quoi, qui fête-t-on aujourd'hui le 1er janvier? Donc c'était Sainte Marie, moi je ne savais même pas, donc Mère de Dieu. Ensuite, d'après la règle officielle du Monopoly, que gagne-t-on quand on tombe pile sur la case parc gratuit? Eh bien, on ne gagne rien. Donc ben, Eric ne le savait pas, donc à cause de ça, il a perdu 1-0. Parmi les ingrédients d'une vinaigrette traditionnelle, lequel est présent en plus grande quantité? Donc bien sûr, c'était l'huile. Dans la chanson Vive le vent, à quel membre de la famille souhaite-t-on une bonne année? Donc c'était bonne année grand-mère. Donc ça aurait pu être grand-père. Non, c'était grand-mère. Et puis bah, à la fin, quel est le fruit le plus consommé en France? Eh bien, c'était la pomme. Donc bon, ça paraissait un petit peu plus évident. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop. Hein, donc c'est toujours Iggy Pop. Donc voilà, donc comme on peut voir le fameux drakkar dont je vous ai parlé hier par rapport à ses origines danoises et norvégiennes du côté de sa maman, donc voilà, est apparu. Donc bon, bah, comme je vous ai dit, donc le maître de midi Eric va trouver l'étoile mystérieuse vers le 15 janvier, je crois. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, donc c'est Iggy Pop. Et puis bah voilà, donc je m'associe donc à Jean-Luc Reichmann au Bluebell Girl pour vous souhaiter bah, encore une très bonne année, puis surtout une bonne journée. Et puis bah, si vous avez téléphoné pour gagner donc les 120 000 euros, bah, je vous expliquerai sur une autre vidéo comment vous faire rembourser votre appel. Donc bah oui, il n'y a pas de petit bénéfice. Et puis bah, pour finir, le t-shirt 20 sur 20 pour commencer l'année sur de bonnes notes. Voilà, allez, je vous dis à très très vite, bye bye.